Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Rewind. Aujourd'hui de l'arnaque, des culottes et un redébut un peu spécial. Attention, hein, ne bougez pas. Alors attendez. Oh là. Ah, ça commence. Alors, je vous jure que ça se voyait pas. Je vois que Echo surveille tout aussi bien le timer que Junoko surveille la visibilité de ses sources. Oh, un de moins. Vas-y Roger, il a mérité aussi. Ah, je peux plus tirer en fait. Oh mince. J'ai plus tiré que fois. Oh non, du coup je vais tomber. Oh non. C'est un... Il est peut-être pas aussi précis que Echo, mais ça, c'est ce que j'appelle un bombardement de précision. Il m'a fait tomber le salaud. Oui, j'ai agrandi pour pas que nous on tombe dans le vide. Non mais le problème c'est que maintenant les mobs ils tombent sur la plateforme en bas. Pas tous. Hey, je t'envoie un cadeau. De Lannister Sendary Guards. Oh putain. Oh, je l'ai vu tomber. Sa mère la pute. Sa mère la pute, attends-moi frère. Mais attends-moi wesh. Je raid avec toi. On est des potes de raid frère. On raid ensemble. C'est pour la vie cousin. Voilà c'est bon. Putain les mecs ils partent sans quoi. Ouais pas très gentil ce taxi. Il devrait prendre un peu exemple sur Draco. Maîtrise d'acheter toute la boutique. Mais j'ai oublié mon portefeuille. Ah proche chevalier, vous pourriez sans doute vous séparer de 1000 PO. Elle veut pécho, clairement hein. Ouah merci, j'y crois pas, ça marchait. Est-ce que je viens de me faire arnaquer ? C'est ça le bail ? Bon, bah tant pis. Je n'achète que ce qu'il y a de mieux, et pour mon dernier achat, hélas, il me manque 1000 PO. Pas deux fois quand même. Excelsior, maintenant que j'ai fait mon achat, je vais prendre congé de vous. Je crois que je suis beaucoup trop gentil. Ah bon, être gentil, ok, mais quand même, il y a des limites. En tout cas, Justin s'est clairement pas fait arnaquer sur la marchandise. La bagarre, y'a que ça de vrai. Attention, ça défonce ton bouclier. Bah oui, mon bouclier s'est cassé là, il va bientôt se briser. Il fait des bêtises depuis tout à l'heure là. Mais du coup, ça s'explose pas quand on jette. Tout à l'heure, j'avais jeté, ça avait pas explosé, c'était, ça puait la merde, genre, vraiment. Ça s'explose. D'y avoir testé, mais tu es sûr que tu as testé le bon baril? Je vais le taper, lui. Il m'énerve. Oh, je peux le pousser dans le vide. Oh, pff. Non. Non. Pisonia, poussez les autres comme ça, voyons. Tiens, tant qu'on est dans les chutes, ça va quoi? 3 minutes plus tard. J'ai pas pris ma... Go back, I want to be monkey. Mais non. Mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi t'as fait ça? T'as littéralement sauté sur les rails du RER. Pourquoi? Mais pourquoi? Je pensais pas qu'on était aussi haut. Non. Bah ta culotte. Bah ta culotte, Enzo. Elle est rayée. Elle est noire. À ce que je vois, ça a pas l'air de te déplaire, Fraise. Y'a pas trop de trucs fantasy. Oh, attends. Oh putain! Oh merde! C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas pratique, ça aussi, genre. Non mais. Oh putain! Arrêtez de clipper, putain. Il va y avoir 1 milliard de clips de culottes, genre. Puis ça a pas non plus l'air de déplaire à Miuna. Comme vous avez pu le voir, ce Rewind n'a pas été monté par moi, mais par Mythique, que je vous remercie.
Vous le verrez peut-être dans d'autres Rewinds. Des bisous et à la prochaine.